Alors, bonjour Monsieur Dem. Avant de commencer, vous savez que maintenant le port du masque n'est plus obligatoire. Donc si vous voulez vous en passer, c'est autorisé. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, cette annonce. Alors, bienvenue à tous. Merci d'être venus pour cette conférence. Alors vous savez que peut-être que vous avez été nombreux à assister au cycle sur les Amérindiens, il y a eu tout un cycle de conférences. Et là aujourd'hui, donc, la conférence va porter sur les Amérindiens et les ours. Et on a la chance d'accueillir un spécialiste français des ours, plutôt les ours bruns, les ours des Pyrénées, donc monsieur Jean-Jacques Camara, qui a été responsable du réseau Ours Brun, c'est ça ? Je ne me trompe pas, pendant des années, qui s'est occupé de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, qui est aussi un écrivain, qui a écrit sur les ours. On est très heureux de l'accueillir. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Bonne conférence à tous. Merci. Bon, merci à vous alors d'être présent pour cette conférence. Donc, je suis, comme l'a dit Monsieur Thierry Rézy, là, je suis donc spécialiste de l'ours. Je suis en fin de carrière, là, donc j'ai terminé depuis peu de temps ma carrière sur l'ours. Ça a été une carrière consacrée à l'étude scientifique des ours, donc dans les Pyrénées. Et puis je me suis rendu à diverses reprises en Amérique du Nord et dans différents pays, et surtout dans les territoires indiens ou inuits pour travailler à l'étude des ours grizzly. Et ce qui m'a valu de rencontrer des personnes qui travaillent sur ces animaux, de rencontrer des Indiens, de voir dans les réserves ce qui restait ou pas comme ours, est-ce que les Indiens, quelles étaient les relations qu'ils entretenaient avec les ours. Voilà, donc c'est un peu à ce titre-là que je me suis lancé pour faire cette conférence. Je suis plus biologiste qu'ethnologue, mais bon, c'est un sujet inépuisable et tellement intéressant, l'ours et puis l'homme dans les contrées nord-américaines, que bon, ça vaut le coup aussi. Ça m'a intéressé de m'y pencher dessus quelques temps. Voilà, donc je vais vous essayer de retracer un petit peu ce vécu, si on peut dire, parallèle entre l'homme et l'ours, et qui est très ancien, et dont les grizzlies et les Indiens d'Amérique du Nord sont encore quelque part des vestiges un peu de cette cohabitation préhistorique qui existait depuis très longtemps. Et on voit même encore plus dans le grand nord sibérien aussi que les relations entre l'homme et l'ours sont encore plus, peut-être plus marquées même qu'en Amérique du Nord. Bien, néanmoins, nous allons rester en Amérique du Nord et puis parler de... C'est essentiellement l'ours brun, l'ours grizzly, le même que celui que nous avons dans les Pyrénées en Europe, ours brun aussi, qui s'appelle grizzly parce que c'est du vieux français... qui tire son nom de l'ours gris, que le trappeur français, qui était bien avant les pionniers américains, ou les occupants, si on peut dire, américains, les colons américains, ces trappeurs français qui côtoyaient le grizzly, qui côtoyaient les Indiens, et qui, pour différencier facilement les ours entre eux, à savoir l'ours brun et l'ours noir, qui vivent tous les deux en Amérique du Nord, ils parlaient de l'ours grizzly comme de l'ours gris. Alors évidemment, le grizzly, il est assez connoté, assez négativement, puisque c'est un animal qui peut s'avérer assez dangereux, contrairement à l'ours noir qui, lui, est beaucoup plus tranquille et placide. Voilà, donc les Indiens l'avaient bien remarqué, que cet animal était quand même assez... tenait sa place dans l'écosystème. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais les premiers Américains, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique, qui sont partis vers l'Ouest, bien quand ils ont rencontré cette grosse bête, ils ont été assez surpris, ne sachant pas ce que c'était trop au départ. Voilà. Bien, donc on va commencer donc, cette présentation. Voilà, donc c'est la première fois que je présente ce diaporama. Voilà, donc écoutez, voilà, j'espère que... une heure à peu près, c'est ça ? Oui. Bien. Donc, Amérindiens et ours, cette longue histoire. Comme vous voyez, les Indiens et les ours, quand même, sur cette image, ils sont relativement proches. Et l'ours était bien intégré dans
les tribus indiennes. Alors, d'abord, les ours, on est là pour en parler aussi, bien sûr, savoir qu'est-ce que c'est qu'un ours. Chacun connaît un peu les hommes, bien sûr, mais les ours, les ours bruns en particulier, sont des animaux particulièrement qui étaient très peu connus et qui le sont maintenant grâce à la science et aux technologies modernes pour les étudier. Ce sont des animaux qui sont discrets, qui vivent en petit nombre et dans des endroits assez isolés. Alors, déjà les ours, il y a 8 espèces d'ours. Et ce qui nous intéresse, c'est l'ours brun, que l'on voit en Eurasie et puis en Amérique du Nord, là-bas, qui est l'ours grizzly ou l'ours brun d'Europe. C'est le même. Bien que l'ours noir ait eu des relations, bien évidemment, très étroites avec les Indiens d'Amérique du Nord. Voilà, ici vous avez un ours dans les Pyrénées, qui est filmé par une caméra automatique. Alors évidemment, si vous voyez arriver un ours comme ça face à vous, ça vous surprend, quelque part. Mais ce n'est pas un animal dangereux, il faut le savoir tout de suite. C'est une bête qui est très émotive, qui prend vite peur. Donc voilà, si vous voyez un ours un jour, eh bien, ne partez pas en fuyant, surtout pas, vous lui parlez et vous le laissez évoluer, puis vous verrez, il tournera les talons assez facilement. Alors la fiche d'identité de l'ours, c'est déjà, on peut commencer par la silhouette. C'est un animal qui peut peser entre 80 et 4 ou 500 kilos. C'est très variable en fonction des individus. Au sein de la même espèce, vous avez des ours qui... Ah. Donc au sein de la même espèce, vous avez des individus qui font entre 80 et 500, 600 kilos même. C'est très rare, mais ça arrive. Dressé sur les pattes postérieures, ça arrive à faire 2 mètres 20, 2 mètres 40 pour les plus grands. Donc c'est impressionnant. Et voilà. Alors je ne comprends pas, mais bon, je vais revenir. Excusez-moi. Voilà. Donc Le crâne que vous avez ici, dont je vais vous présenter cet exemplaire tout à l'heure en fin de conférence, c'est un élément qui montre la dentition qui est assez robuste chez l'ours, une dentition d'un animal omnivore. On voit la silhouette de l'ours brun. Je suis désolé, là je ne sais pas ce que... Il y a quelque chose qui s'est mis. Donc c'est un animal avec une musculature puissante et puis une bosse sur les épaules. Alors, ce qui est assez curieux chez l'ours, c'est qu'il y a énormément de caractères anatomiques qui sont très comparables à ceux de l'homme. La patte en particulier avait 5 doigts, une pomme, le pied arrière qui ressemble énormément au pied humain, avec la différence pour la... Ouais. Il va falloir que j'aille très vite alors, c'est pas possible. Voilà, donc vous avez les griffes antérieures de l'ours qui sont extrêmement longues et ce sont des griffes qui sont non rétractiles. Le pied, vous voyez, comme l'homme. Des capacités qui sont tout à fait proches de celles de l'homme. Un animal qui peut parcourir des montagnes dans tous les sens, passer des cols les plus élevés jusqu'aux plus basses altitudes, qui a un odorat, une ouïe très performante, qui voit très peu, mais qui peut grimper, escalader, qui peut aller dans l'eau, nager et se dresser sur les pattes postérieures. Pardon ? Oui, je ne sais pas. Là, parce que je l'ai passé tout à l'heure, ça allait, puis là, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis désolé. Ah ! Ah bon. On va voir. Voilà. Ici, vous avez un ours qui est filmé dans les Pyrénées, en Ariège. Un ours mâle. Vous voyez déjà, pas la peine de faire des commentaires, on voit de suite l'animal. C'est une bête qui doit peser environ 250 kg. Donc là, il est en train de flairer un tronc et de laisser son odeur et puis de quitter les lieux. Donc avec des appareils photo automatiques, vous voyez, on fait des merveilles des fois. Oui, mais là, ça a l'air d'aller. Donc, vous croyez, il faut que je passe avec la barre espace.
plutôt. Alors, oui, mais voyons. Donc, c'est une espèce qui s'adapte à l'environnement, comme l'homme. Pareil, c'est très très facilement. Il peut s'adapter dans les grandes forêts, il peut aller sur les bords des mers, il peut aller sur des territoires qui sont en végétation très rase, il peut aller dans le désert quasiment. On trouve des ours dans le désert de Gobi. Voilà, ouais. Je peux m'embêter là. Hein. Il y a un paramétrage qui a dû se dérégler ou quelque chose. Donc, dans le désert de Gobi, et puis vous en avez également au Mexique, et vous en avez également sur les côtes ouest de l'Amérique du Nord. Alors, la nourriture chez l'ours, c'est une espèce qui se nourrit de façon très éclectique et qui est très opportuniste. Et il est comparable, son alimentation est très comparable à la nôtre. D'ailleurs, on peut se dévorer l'un l'autre, c'est clair. Et alors c'est une espèce qui est, je veux dire, opportuniste parce qu'elle est capable de tuer des brebis, comme se nourrir et récupérer de la protéine dans les herbes, par exemple, dans des végétaux. Sur la photo de gauche, vous avez un agent du parc national des Pyrénées qui est en train de faire un constat de dégâts sur des brebis qui ont été tuées par un ours. Voilà, donc, sur la droite, ici, vous avez le régime alimentaire de l'ours, qui est un régime alimentaire qui est surtout végétivore à 75%. Et il y a surtout au printemps des graminées, des racines, des zombifères. Voyez, puis effectivement, c'est un animal qui est très friand de protéines, bien sûr, puisqu'il lui en faut, et surtout, il va manger de la charogne au printemps. S'il en trouve, évidemment. Alors, dans les zones qui sont fortement chassées, où il y a très très peu de faune sauvage, c'est très difficile pour lui, évidemment, à la sortie du printemps, de trouver des animaux sauvages morts, des carcasses, ce dont il est friand. Par la suite, eh bien, il va s'adapter à l'environnement et il va manger ce qu'il va trouver sur le terrain un peu partout, grappiller des myrtilles, des framboises, manger des pommes. Et puis en fin d'année, il va s'orienter sur les fruits secs, les glands, les châtaignes et tout ça. Bon, j'ai l'impression que ça tient, hein, là, ça a l'air d'aller. Bon, je sais pas, je n'ose plus toucher maintenant. Bien, voilà, vous avez ici en haut une crotte d'ours typique contenant des pépins de pommes. Voilà. Puis effectivement, il peut manger également des fourmis, des guêpes. Les guêpes, ça ne le gêne pas, hein. Un rucher non plus. Il va rentrer dans un rucher, il va se repaître de miel, de larves et également d'abeilles. Il va secouer la tête pour les faire partir, mais il va continuer à consommer les... Alors... Bon, j'ai fait un panorama très très rapide, hein, de ce que c'est qu'un ours, approximativement. Voilà. Donc, ce qui est le plus marquant pour nous en Europe, c'est que c'est un animal qui est très très qui peut devenir très carnivore et qui peut être très prédateur du bétail domestique. Donc, il peut être très gênant. C'est la raison pour laquelle il est assez en concurrence avec l'homme, souvent dans les montagnes et dans des zones où il y a du bétail. En Amérique du Nord, alors maintenant on va aller sur l'Amérique du Nord, voyez, là c'est plus du tout le même cas, et surtout avec des Amérindiens, surtout par le passé, lorsque bien sûr c'était pas des éleveurs ou très peu, c'était surtout des chasseurs-cueilleurs, donc les ours étaient présents dans des zones qui étaient habitées par les Amérindiens, et vous avez donc... Dans toutes les cartes qui sont présentées ici, au milieu, en haut, vous avez l'ours polaire, qui lui est présent dans des zones qui étaient habitées par les Amérindiens, par les Inuits. À gauche, vous avez la répartition de l'ours brun, grizzly, en haut. Donc, vous voyez, c'est un animal qui est présent sur l'Ouest américain, qui a toujours été présent sur l'Ouest américain et pratiquement pas sur la partie centrale et la partie Est des États-Unis. Et puis, il y a l'ours noir américain, Baribal, dont on voit en bas, ici à gauche, la présente, qui est un animal qui est très arboricole, qui est beaucoup plus petit et plus tranquille. Voilà. Et alors, bien sûr, en parallèle, si on regarde, on voit la cartographie des peuples amérindiens, qui vraiment sont présents partout en Amérique du Nord, bon, en Amérique du Sud aussi bien sûr, mais en Amérique du Nord. Donc la confrontation entre les deux ou la cohabitation, elle était vraiment permanente.
Alors ces interactions homme-ours, eh bien, elles sont très anciennes. Hein. L'ours est apparu il y a quand même très longtemps. Les premiers ursidés, il y a environ 20 millions d'années. Et puis ensuite, vers 500 000 ans, l'ours brun est arrivé. Et il est apparu donc, d'abord en Eurasie, puis ensuite en Amérique du Nord. Et donc, parallèlement à cela, les hommes qui occupaient l'Amérique du Nord de façon très très récente se sont retrouvés confrontés donc à l'ours. Et il y a eu durant la culture paléolithique, il y a eu donc une cohabitation qui s'est faite entre l'ours brun, grizzly, et puis le Néandertal, enfin l'Homo sapiens qui a occupé ces zones-là. Par la suite, vers moins 40 000 ans, les hommes se sont intéressés à l'animal de façon artistique, donc par l'art pariétal. Et puis sont arrivés les Amérindiens, se sont intéressés également et ont créé, en fait, ont élaboré des mythes autour de cet animal qu'ils côtoyaient quotidiennement, et en particulier le mythe de la mère ours et de l'ours mort. Ce sont des mythes qui sont très très anciens et qui ne sont plus bien sûr aujourd'hui trop en vogue, hein, mais que l'on retrouve dans différentes créations artistiques ou figurines des Indiens d'Amérique du Nord. Et puis par la suite, moins 40 000 ans, l'ours est devenu un objet de culte en Europe, mais assez limité quand même. Hein. Ça n'a pas été au niveau de ça, beaucoup moins que certaines autres espèces animales. Ensuite, il y a eu donc à l'époque de la Grèce antique, donc des animaux sont devenus de moins en moins présents dans l'art, et jusqu'à ensuite être représentés et remplacés par les animaux domestiques dans les arts différents. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est en fait cette période qui est entre moins 100 000 ans et aujourd'hui, où on voit les Amérindiens ici qui côtoyaient cet animal. Alors, d'abord, il faut remonter un peu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au paléolithique, quelles sont les relations entre l'homme et l'ours. Ce que l'on sait, c'est que les gravures sont rares, ou alors elles étaient localisées au plus profond des grottes, en fait, les gravures d'ours en particulier. On peut penser que ces gravures s'inspirent peut-être des griffades que l'on voyait sur les grottes et que les ours imprimaient sur les grottes lorsqu'ils fréquentaient ces grottes en hiver. En Ariège, par exemple, on connaît même une sculpture, si on peut dire, en argile d'un ours, où il y avait une tête, un crâne d'ours qui était fiché probablement dans l'encolure de la sépulture et couvert probablement d'une peau d'ours et qui était sûrement un rituel lié à la chasse. Et c'est une sculpture qui est encore présente, mais qui apparemment a été bien esquintée par les gens qui ont pu visiter ces grottes-là. C'était un animal qui, l'ours, était également en Néandertal, qui était utilisé, qui était par l'homme, qui était capturé et qui était élevé à des fins de sacrifixion. Ça, on a remarqué qu'il y avait des dents d'ourson sur des crânes qui avaient été limés. Ensuite, tout ça, ça préfigure un petit peu le mythe des Indiens d'Amérique du Nord qu'ils ont autour de la mer ours. Faut dire que, bon, à cette époque aussi, au Paléolithique, ils étaient chassés, consommés. Et un peu plus tard, à la sortie du Paléolithique, eh bien, on voit les premières effigies d'ours sur les poteries, et puis qui évoluent de plus en plus vers des effigies qui sont mi-homme, mi-ours, et puis ensuite qui sont plutôt des effigies un petit peu humaines, beaucoup, beaucoup plus. Alors, si on regarde dans le bestiaire des Indiens,
ou au moins des documents qu'on a pu retrouver et que moi j'ai pu consulter, on voit que le bestiaire est vraiment très très fourni. Ici, ce sont des Indiens de l'Ouest américain, en Colombie-Britannique, qui vivent sur la côte pacifique. Et on voit ici, bon, il y a l'ours est représenté. Il est représenté. Alors voyons. Je crois qu'il y a la flèche là. Voilà. Vous l'avez ici, parmi tout ce bestiaire là, qui est. C'est une photo qui date du début du XXe siècle, je crois. Bien. Avec, on voit les griffes. On voit ici la tête. Alors, ce fameux mythe fondateur de la mer ours qu'on retrouve un peu partout et qu'on retrouve de façon assez semblable, même sur des terres orientales, de la Sibérie orientale ou du nord de l'Europe, ce mythe fondateur de la mer ours, c'est quelque chose qui s'est construit autour d'une légende. D'une légende, alors. Commence par le rap d'une jeune femme, c'est ce qui se raconte, par des hommes travestis en ours. Elle est ramenée dans la caverne du peuple ours, où là, elle a les poils qui commencent un petit peu à lui à pousser. Elle est tôt condamnée à s'accoupler avec un ours et menace de cette. Cette union, si on peut dire, un peu forcée, de jumeaux, homme-ours. Puis, il y a des hommes de la tribu, des hommes qui viennent pour la rechercher, la kidnapper et la ramener chez le peuple des hommes, en fait. Et lorsqu'ils la récupèrent, eh bien, ils tuent le père de l'ours, c'est-à-dire l'ours qui s'est reproduit avec la femme ours, en fait, la femme. Et il y a le père est mort, et avant de mourir, le père de ours enseigne l'art de la chasse et une chanson funéraire pour plus de réussite à la chasse en général. Puis, c'est alors que la mère ours et ses deux petits retournèrent à la tribu. Ils ôtèrent leur pelisse et devinrent de grands chasseurs. Après la mort de leur mère, ils revertirent de nouveau leur pelisse pour s'en retourner auprès du peuple ours. Ils léguèrent ainsi l'art de la chasse à la tribu. Voilà en gros le mythe de la mère ours qui se retrouve de façon très très intense et longtemps dans ces peuples. Vous avez ici des représentations de la mère qui allaite l'enfant homme-ours, et vous avez ici le meurtre de ce fameux du père ours qui anticipe un petit peu le retour de la mère et des deux jeunes vers l'homme. On retrouve cette légende dans les totems indiens de l'ouest des États-Unis aujourd'hui. Les Indiens Tian Shan, par exemple, sculptent le mythe de la mer ours sur leur totem. On voit ici donc un totem en bois qui est sculpté. Et on voit sur la droite, de haut en bas, l'ours grizzly en haut, ce qui est le père en fait des enfants, un descendant mi-homme ours avec des traits de l'ours, puis plus bas, trois descendants avec des traits humains, et puis en bas ici, un ancêtre à moitié transformé en ours. Voilà. On retrouve également une similitude de cette légende avec le Jean de l'ours que l'on retrouve dans les Pyrénées ou en Europe, avec le fameux homme mi-homme mi-ours. Alors. L'animal, l'ours, est désigné évidemment par l'Indien. Alors bon, on a vu tout à l'heure le titre du diaporama,
masque. Mais en fait, c'est un animal qui est très rarement cité de façon directe. De peur d'avoir des représailles de la part de l'ours, ce sont des animaux qui sont censés, donc, selon les légendes, entendre les dires des humains, les histoires, donc ils sont rarement cités en tant que tels. Alors, ils ont l'habitude de désigner l'ours en tant qu'ancêtre, hein, pour éviter toute vengeance et marquer les liens de parenté avec lui, pour lui rendre hommage également. Alors, cousin, grand-père, grand-mère, oncle, vieil homme. Dans les Pyrénées, on a loup moussu, le monsieur, le type, le loup-type. On retrouve toujours cette similitude avec l'homme, cette parenté, si on peut dire. Les Indiens d'Amérique du Nord avaient aussi l'habitude d'utiliser des euphémismes pour acquérir ces bonnes grâces, surtout. Hein. Alors, ou des périphrases, or, habit de fourrure, nez écrasé, homme noir, velu, pâte de miel, le terrible, le voûté, la ronde gracieuse des bois, le gros poilu, voilà. Et également, en action de chasse, les Indiens, donc, dès qu'ils étaient devant, parce que quand ils le chassaient à la tanière, souvent, c'est le moment le plus facile, hein, pour le tuer, lorsqu'ils étaient devant la tanière, ils ne désignaient pas l'animal. Ils parlaient essentiellement d'un individu qui... Enfin, en particulier, par exemple, j'ai retrouvé une citation chez les Indiens à Tapascan, du chasseur, qui dit à son collègue, c'est quoi ces machins bruns sur tes joues ? Ça fait un peu référence aux taches brunes qu'ont les ours noirs américains sur les joues. Et les femmes nomment le grizzly, c'est assez intéressant dans certaines tribus, frère. Parce qu'il est censé, le grizzly, s'accoupler avec les femmes. Et comme, bien sûr, pour s'en défendre, elle l'appelle frère pour, évidemment, lui rappeler le tabou de l'inceste et de manière à ce que l'animal s'échappe un peu embarrassé. Quoi. Voilà, tout ça, c'est assez riche, tout compte fait, comme relation. Alors, un autre élément, c'est la chasse à l'ours chez l'Indien. C'est un acte de cohésion sociale dans le groupe. Voilà, on va chasser l'ours. Et... Bon, alors... on le fait en résonance avec le cosmos. C'est vraiment une liaison divine que l'on a avec l'animal. Mais on ne chasse pas l'ours noir et le grizzly de la même façon. Le grizzly, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus difficile, engagé et avec beaucoup plus de respect. Donc, en fait, la chasse à l'ours représente également un contrat qu'ont les hommes avec les divinités. On va chasser l'ours, mais ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre faute. On est obligé, quelque part, on va chasser l'ours. Et c'est même, quelque part, un ennemi, parce que c'est un ennemi, c'est peut-être un ennemi sacré. Ce qu'on peut reconnaître aussi à l'ours, lorsqu'on va le chasser à cette époque-là, c'est que on aime bien dire qu'il veut se faire tuer. Il est là, il est dans la tanière, il ne bouge pas, donc il nous attend, quelque part. Et donc, il veut se faire tuer, donc nous, on y va, et puis on va essayer d'exaucer ses vœux, peut-être, c'est comme ça. Mais tuer n'est pas le mot qu'ils utilisent, en général, on le noircit, l'ours. Alors, c'est certaines tribus, on ne tue pas l'ours, on le noircit. Donc, en général... lorsqu'il est mort, sa carcasse est relativement bien traitée. Et puis, évidemment, tout ça, c'est pour éviter la vengeance de cet ours qui, lorsqu'il rejoint le peuple ours, après, son âme rejoint le peuple ours, et bien pour éviter le retour de manivelle, si on peut dire, du peuple ours. Alors, les techniques de chasse, je parlais de la tanière tout à l'heure, c'est assez diversifié. À la tanière, les Indiens repèrent le trou souffleur. Dans la neige, imaginez-vous une couche de neige assez importante, un ours qui hiberne sous la couche de neige, même le sol, même peut-être, ça peut arriver. Et il y a un petit trou souffleur qui subsiste souvent, qui permet à l'animal, quand même, malgré qu'il dorme, de respirer. Donc on repère ce trou souffleur. En général, le repérage,
c'est toujours par hasard. C'est pas vrai, mais bon, c'est toujours le hasard qui fait que l'Indien repère la tanière. Hein, voilà. C'est comme si il n'y avait pas une volonté d'aller chercher l'animal dans son trou. Il y a le trou qui est repéré, on prend une perche, et puis à l'intérieur, avec la perche, on essaie de toucher l'animal pour qu'il dort, pour savoir dans quelle position il est, de manière à pouvoir viser plus facilement avec une flèche ou une lance. Il y a un deuxième type de chasse qui est à l'approche. En général, depuis un canoë, c'est le plus facile, surtout quand c'est un grizzly. Ça m'a fait assez sourire, cette technique, parce que c'est une technique que j'ai utilisée souvent en Alaska pour approcher des ours grizzly. Voyant des ours, j'avais un canoë, voyant les ours sur les berges, je les approchais plus facilement et sans danger, quoi. Vous pouvez les avoir à 4-5 mètres. S'il y avait 2 mètres d'eau, l'animal, il savait très bien qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc je pouvais l'approcher plus facilement. Et c'est assez curieux parce que les Indiens donc, utilisaient cette technique-là aussi pour tuer l'ours. Et là, l'ours, bien, grizzly qui n'a pas peur, il fait froid un peu, mais il ne bouge pas, il reste sur le bord. Donc ils arrivaient à le tuer de la sorte, assez facilement. Ensuite, il y a à l'affût. Alors c'est toujours des techniques qui sont quand même assez extraordinaires. L'Indien, l'Indien caché, qui attend l'ours et qui imite le cri du corbeau qui est sur une charogne. Et l'ours arrive, attiré par le cri du corbeau, sachant qu'effectivement, il va peut-être trouver une charogne. Donc il s'approche et l'Indien est là, malheureusement pour l'ours, ça se passe de la sorte. Il y a également au lacet. Alors ça, c'est une technique qu'on a utilisée, nous, pour capturer les ours et les équiper de colliers émetteurs et les relâcher. Pas pour les tuer, bien sûr. Mais les lacer avec du... Les Indiens utilisaient des cuirs de cerf, qui sont des babiches, ça s'appelle. Et on plaçait ce lacet sur un sentier étroit, et puis l'animal mettait sa patte en passant, en marchant, et il restait immobilisé dans le piège. Alors je ne vous dis pas, il fallait intervenir très vite, parce que l'animal se saisissait du cuir, et puis il pouvait le lacérer très facilement et partir. Et une dernière technique, qui était utilisée aussi, c'est un peu une technique que l'on connaît, nous, ici en Europe, beaucoup, c'est la battue. Et la poursuite de l'ours, avec des chiens peut-être, les Amérindiens avaient des chiens aussi, poursuite de l'ours, et pour essayer de le faire grimper dans un arbre, de manière à ce qu'une fois dans cet arbre, eh bien, il puisse plus redescendre, et là, effectivement, il est facile à tuer. Alors, une fois que l'ours est mort, l'animal reçoit des précautions que nulle autre espèce ne reçoit apparemment chez les Indiens d'Amérique du Nord. Comme je vous disais tout à l'heure, la tanière est localisée par hasard. Et lorsqu'on a localisé la tanière, eh bien, on fait des rituels de purification. On le désigne en des termes élogieux, des euphémismes, des mots tabous. Et puis, bon, on le tue. Lorsqu'on retourne au village avec la carcasse, le village, la tribu, lui souhaite la bienvenue. On enlève la tête, les pattes, on sort les os, que l'on traite avec soin, évidemment, on ne les jette pas. Et la cuisson se fait selon un préparatif, un protocole bien précis. Les restes, qui ne sont pas consommés, sont destinés bon, à faire des talismans, à être décorés. Puis ensuite, ce sont des chants, des danses qui s'en suivent, des rites de divination. Le crâne représente un petit peu à la fin quoi, l'objet ultime de ces rituels de l'ours mort. Ce crâne qui est décoré, qui est une pièce maîtresse et que l'on retrouve aujourd'hui même. Moi, j'ai plusieurs crânes chez moi et c'est vrai que je ne fais pas un culte de l'ours, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est très... Ce sont des pièces qui sont particulièrement belles, quoi. Voilà. Et au final, une fois que la fête est terminée, que le crâne de l'ours est fiché sur une perche, eh bien, l'ours est censé revenir chez les siens, dans son peuple ours,
et donner son avis sur les hommes, évidemment. Alors s'il a été bien traité, il donnerait un avis favorable, sinon défavorable, ce qui n'est pas de bon présage pour la tribu, dit-on. Alors, lorsque on mange, l'ours est mangé. Bon, avant de le manger, les Indiens avaient l'habitude de dire que c'était l'invité de marque, l'ours, qu'il était là, et que c'était vraiment, même s'il était mangé, c'est lui qui était l'invité, et c'est lui qui était là, qui avait la place de choix, et de manière à ce que, bon, et on sait que tu es là, tu es l'invité, et tu veilles sur nous. Donc c'est toujours des relations qui sont particulièrement amicales, et très, même plus, on s'entoure, on l'entoure de, vraiment de tous les soins. Dans les préliminaires, donc, certaines tribus, bon, je vais citer ici, donc, merci ami de te joindre à nous. J'espère que je ne t'ai pas créé de préjudice. Tu as été envoyé vers moi par le Créateur pour te manger. Voilà. Alors, évidemment, comme je vous disais à plusieurs reprises, on ne donne jamais son nom, c'est-à-dire le nom ours. On va même jusqu'à lui crever les yeux. Les yeux ne sont pas le terme exact qu'ils utilisent. Souvent, ce sont les yeux pour les Indiens, c'était les étoiles. Ils appellent ça les étoiles de l'ours. Et on lui crève les yeux de manière à ce que l'ours ne voit pas et la personne qui va le préparer et de manière à ce qu'il n'y ait pas de représailles par la suite. Donc, vous voyez, on prend des précautions quand même par rapport à cette bête-là. Et ensuite, lorsqu'on commence à préparer l'animal pour le consommer, les rôles de chacun sont vraiment bien déterminés, les hommes, les femmes, ici, les jeunes, les anciens, et bon, les rôles de découpe, de cuisson, et puis de consommation. Le repas. Alors. D'abord, le repas, la préparation et le repas, dans certaines tribus, peut se dérouler très très loin du village, au-delà du village, et ce n'est pas relié du tout à la. Peut-être c'est une peur de représailles, de l'ours sur le village, tout ça. Et la peau, en général, est, comme j'ai dit tout à l'heure, est écartée avec les os de la cérémonie. La tête de l'ours est consommée rôtie, entre autres. Bon. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la préparation est un peu différenciée entre hommes et femmes, par exemple. Chez certaines tribus, par exemple les Naskapi et d'autres tribus, même au Canada, un homme, lorsqu'il a la carcasse de l'ours en face, il place du tabac entre ses dents, puis c'est le moment de venir partager la pipe avec l'ours. L'ours a le tabac dans la bouche. Et les Indiens fument en regardant l'ours. Pendant ce temps, les femmes qui sont autour se couvrent le visage. Lorsqu'il y a consommation, pendant la consommation, les hommes se badigeonnent les cheveux avec de la graisse chaude d'ours, chez les montagniers, par exemple, chez les Cris. Mais, un élément important, chez certaines autres tribus, les femmes ne mangent pas de l'ours. Un élément aussi qui est, pour terminer un peu ce panorama, c'est que les chiens sont écartés car ils sont jugés impurs voilà, dans ces cérémonies-là. Alors, ça a quel goût ? Oui, mais c'est une très bonne question. J'en ai mangé une fois, sans le vouloir pratiquement. Enfin, je vous raconte rapidement l'histoire. J'étais en Slovénie pour capturer des ours pour les ramener dans les Pyrénées. Et on était dans un restaurant. Et les gars du restaurant savaient qu'on était les Français et qu'ils étaient là pour ramener les ours. Donc ils nous ont fait plaisir. Ils nous ont fait manger de la viande d'ours et du saucisson d'ours aussi. C'est la viande rouge. C'est pas du tout. Ça m'a pas spécialement. C'est bon, hein, c'est pas. Mais bon, j'étais pas très. Fier quoi, d'avoir mangé ça. Je me suis dit, mais bon, ils se sont un peu moqués de nous, certainement, parce que nous venons là pour capturer des ours et les ramener vivants. Et pour... Bon, en fait, c'est la tradition là-bas. Alors bon, ils mangent un peu tout, ils mangent même des loirs, voyez, bon, en Slovénie. Et l'ours fait partie de toutes les pratiques culinaires de ce pays-là. Quoi. Alors, lorsque les parties qui ne sont pas consommées, elles ne sont jamais jetées au sol, elles ne sont jamais données aux chiens,
et elles ne sont jamais exposées comme trophées de chasse, par exemple. Il ne faut pas croire, un crâne qui est sur un poteau, ce n'est pas un trophée de chasse, c'est quelque chose qui est sacré, ce n'est pas pour montrer qu'on a tué l'ours et on est plus fort que... Bon. Alors, en général, les ossements sont placés sur des plateformes, hors d'atteinte des loups, des chiens. Le crâne, lui, qui est vraiment l'élément qui montre le succès de la chasse, quoi, qui est vraiment la partie dominante du corps de l'ours, de ce qui reste des parties non consommées, il est l'objet de tous les soins, et parce qu'il est en fait un symbole de renouveau, de changement de saison, il représente beaucoup de choses. Et puis, ce qui est intéressant dans le crâne, c'est que ça reste longtemps, un crâne. Si vous en prenez soin, vous avez ça plusieurs siècles, vous gardez un crâne, donc ça reste quelque chose qui perdure et qui reste dans le cadre, dans le giron de la tribu. En général, il est peint, décoré aussi, avec des perles. Enfin, bon, des fois, il est tout brut, comme ça. Hein, ça peut être, mais il peut être peint et avoir des bijoux. Voilà. Et les pattes, quant à elles, elles sont intéressantes parce qu'elles font l'objet de cadeaux. Elles sont, vous voyez, vous voyez un Indien qui a des griffes de grizzly. Et vous avez ici des griffes de grizzly, mais celui-là, il est vivant, mais endormi. Voilà, vous voyez, donc c'est quand même extrêmement long. C'est à peu près la longueur de mes doigts ici. Hein. C'est même peut-être plus long que ça. C'est un objet donc sacré et qu'ils mettent à l'occasion de certaines fêtes. Et parfois, les pattes sont l'occasion de cadeaux aussi. Chez les Indiens algonquins, par exemple, la phalange et la griffe du troisième doigt sont offertes en guise de talisman à la femme du chasseur. Alors, les autres cérémonies qui sont liées à l'ours, elles découlent de l'hibernation et des mythes de l'ours. Dans toutes les tribus, on retrouve les euphémismes, la conciliation, le terme honorifique, le respect des ossements, les mythes de l'amitié entre l'homme et l'ours. Alors, elles peuvent varier un petit peu en fonction des zones géographiques, et un peu comme les langues varient d'une zone à une autre, donc on retrouve un petit peu donc, des variations dans les cultures. Et ces autres cérémonies liées à l'ours, elles visent aussi à améliorer le quotidien. Elles visent en particulier à se protéger contre l'ours, parce que c'est quand même le grizzly, c'est un animal dont on se méfie et dont on sait que les Indiens savaient que c'est un animal dangereux. Elles visent aussi à être protégées par l'ours, à demander de la protection auprès de l'ours, vis-à-vis des autres tribus, voilà, enfin d'autres des éléments naturels. Elle vise également à préparer des guerres entre les tribus. Donc on invoque l'ours. Également, l'ours est utilisé dans les soins médicaux. Donc on peut faire à l'occasion de maladies ou autres, on peut faire des cérémonies auxquelles on mêle l'ours. Il est également utilisé dans les rituels initiatiques et de fertilité. Et puis également, c'est assez bizarre, il peut rendre la justice, l'ours, lorsqu'il y a un conflit entre des gens ou lorsqu'il y a l'événement qui paraît un peu anormal. Eh bien, on s'en remet à l'ours et c'est lui qui va décider ce qu'il doit faire. La dangerosité de l'ours, c'est quand même un élément qui est assez intéressant et qui est mis en exergue et qui est récupéré par les chamans, surtout, qui utilisent le pouvoir en exacerbant un peu son aspect un peu gros, malveillant, et son aspect puissant, et pour préparer des guerres contre les ennemis. La dangerosité aussi, évidemment, suscite de la méfiance. Donc, on est très prudent et puis il fait l'objet de précautions, comme je vous disais, avec les noms qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, les tabous. Et également, j'ai retrouvé ça dans un vieux livre, là, c'est le scalp, qui est une pratique empruntée à l'ours lorsqu'il tue l'homme. Voilà, alors bien sûr, le scalp, on connaît, les Indiens d'Amérique du Nord scalpent les blancs. Bon, mais apparemment, je connais deux personnes qui ont été attaquées par des grizzlies en Amérique du Nord. Une personne a été mordue ici, là, donc une amie à moi, elle est vraiment bien mordue. Hein, elle s'est fait attaquer parce qu'elle a c'est une femelle qui avait des petits. Elle a été surprise à quelques mètres, elle a eu très peur. Donc. Et l'autre, c'était un gars, il a été vraiment scalpé complètement. Hein. Alors,
Voilà, je sais pas si c'est. Mais enfin bon, je ne l'ai pas inventé. J'ai trouvé ça dans des. C'était des. C'est un document qui a été écrit par des ethnologues américains et qui se sont permis justement de lancer cette. Bon, moi, je veux bien, mais enfin, je vous le sers comme ça. Le scalp, c'est quelque chose qui viendrait justement de la pratique qu'ont les ours grizzlies lorsqu'ils tuent l'homme. Et la dangerosité, pour terminer, vraiment en beauté, là, c'est l'ours polaire qui est le top niveau quoi, de la dangerosité. Et c'est un animal, par contre, avec lequel les Inuits ou les Indiens, les Amérindiens, ont des rapports particuliers. Ils pénètrent rarement sur son territoire. C'est une espèce, c'est un animal qui charge, qui tue, qui est prédateur de l'homme. Donc on s'en méfie énormément. Également, l'ours, il peut être guérisseur. C'est le meilleur médecin de la forêt. C'est un médecin modèle. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment. Alors, on essaie de voir comment est-ce que l'ours se soigne de ses maux, comment il fait. Il se soigne avec des plantes. C'est vrai que souvent, moi je vois les plantes qui sont citées ici, le fléau de l'ours, l'aconite, qui est une espèce qui est mortelle pour nous, mais qui, à faible dose, peut s'avérer extrêmement intéressante pour soigner certains maux. Le raisin d'ours et la pâte d'ours. La pâte d'ours, la fleur, l'élébore. Ils se soignent avec ça. Bon. Ensuite, il y a des croyances. Bon, le grizzly souffre de la poussière colorée par ses narines sur ses plaies. On sait également que lorsqu'il a des plaies, ça on le sait bien, que l'ours il va dans une zone humide où il y a de la boue ou de l'argile et il va se frotter et rester là, et se frotter pendant plusieurs jours. Et puis une croyance un peu rigolote, mais bon, il survit en hiver en suçant son pouce. Hein, voilà, donc ça veut dire que si on n'a rien à manger, on n'a qu'à sucer son pouce et puis on verra si on prend l'image de l'ours. Bien, donc. Voilà, le tabac, c'est la plante. Le tabac, c'est quand même la plante la plus emblématique concernant la relation avec l'ours. C'est la plante médicinale par excellence, et l'ours est le protecteur. Alors le tabac, c'est la plante médicinale pour les Indiens d'Amérique du Nord, et l'ours est censé être le protecteur de cette plante. Voilà, donc en tant que bon, le guérisseur, alors je sais que chez les Indiens Blackfoot, par exemple, lorsqu'il y a une cérémonie avec la pipe de médecine, là, cette pipe qui est utilisée donc, pour des rituels de guérissage ou autre, eh bien les Indiens ou les protagonistes de cette fête revêtent des peaux d'ours. Également, lorsqu'il y a des problèmes de santé. Chez les Cheyennes, par exemple, les femmes ont l'habitude de prier sur un gros bloc assimilé à la maison de l'ours. Et tout homme qui touche la roche voit sa main se dessécher. Voilà. Bon, vous voyez, donc tout ça, c'est extrêmement présent dans la culture indienne. L'ours peut être aussi un almanach vivant, bien sûr. La constellation de la grande ours, qui est le point focal autour du temps, les heures, les jours et les saisons qui passent. Également, le printemps. Le printemps, c'est le réveil en tanière. Vous avez ici une photo d'un ours. Alors malheureusement, j'avais mis un appareil photo devant une tanière. J'avais repéré un trou, si on peut dire, souffleur. C'était en Amérique, dans l'Est, c'était un ours noir américain. Et j'avais mis un appareil photo. Et puis bon, il est sorti malheureusement le jour où il est sorti de la tanière, au printemps. Il est sorti un peu sur la gauche. Il n'était pas sorti en face comme c'était prévu. Mais donc ça marque les prémices du printemps, le réveil en tanière. Et les Indiens, en fonction, dès qu'ils voient les premières traces d'ours dans la neige, l'ours étant sorti depuis peu de sa tanière et de son sommeil hivernal, eh bien ça marque le début du printemps. Et en général, le premier coup de tonnerre, par exemple, les premiers orages du mois de mai, sonnent le réveil printanier de l'ours, comme si c'était le tonnerre qui réveillait l'animal dans la tanière. Et c'est également le jour du départ du campement d'hiver pour aller vers les contrées estivales pour les Indiens. Également, les rites de passage à l'âge adulte, par exemple, la danse de la naissance d'un ours, c'est la parodie du passage à l'âge adulte, d'un adolescent à l'âge adulte. En général, bon, la mort de l'adolescent est provoquée par,
entre guillemets, la mort, par des autres adolescents et les autres jeunes de la tribu. L'adolescent est couvert d'une peau d'ours, sort de la hutte, bouscule tous les jeunes, puis regagne l'intérieur en retournant autour du pôle central, tombe au sol, puis danse jusqu'au tambour, retire sa pelisse, s'assoit comme un homme et fume une pipe. Donc voilà, c'est lié à ce rite et c'est lié à l'ours. La justice, alors, les coupables sont tués par les ours. Bon, oui, je veux dire. Et les ours qui ont mal vécu, qui ont offensé un peu le dieu de la forêt, eh bien, ils sont tués par les hommes. Donc ils sont punis, bien évidemment. Alors ici, une légende de la métamorphose d'un Sioux. La légende de la métamorphose d'un Sioux, c'est les Sioux de Pine Ridge dans le Dakota du Sud. Alors je vais vous le lire tel que. Hein. Il vient du Nord. Il vient combattre, il est là, je me saupoudre de poussière, ça me transforme, je suis un ours. Lorsque je vais le rencontrer, dis quelque chose, père ours, dis quelque chose, père ours. C'est dur pour moi, ma patte est sacrée, les herbes sont partout. Ma patte est sacrée, chaque chose est sacrée. Une autre légende, Apache. Des rois jumeaux. Alors je vais vous la lire. Hein, c'est ce que je vous ai mis sur la diapositive, c'est juste quelques petits mots par-ci par-là à récupérer dans la légende. Mais Nindini, qui vivait dans une vallée verdoyante, profitant de l'absence du chef de cette tribu, Lance Noir, des pillards attaquèrent le village le jour où ses deux fils virent le jour. Bien plus tard, l'heure de la succession venue, le vieux chef Lance Noir n'arrivait pas à choisir lequel devait le remplacer. De nuages brillants, c'est le nom, tout en finesse, ou de griffes de fer, tout en rudesse. Des deux noms de ses fils, en fait. À la demande de l'homme médecin, le chef gravit la montagne de l'esprit pour savoir lequel était né en premier. Et puis désigner, évidemment, son successeur. Malheureusement, ils étaient nés simultanément. À son retour, la tribu amie des serpents, attaquée par des rôdeurs, sollicita les Ndi pour les aider, pour venir à leur aide. Les deux jumeaux et quelques guerriers réussirent à repousser les assaillants, mais ils laissèrent la vie. Alors l'hiver suivant, toujours le même chef, Lance Noir, remonta au sommet de la montagne, esprit, pour lui expliquer l'absence de ses fils, qui étaient morts, bien sûr. Au cours de la montée, exténué, il se coucha dans l'épaisse couche de neige, sans nourriture, il se laissa choir dans la rivière enneigée toute proche. Tout à coup, un grand oiseau vint capturer un poisson pour lui offrir. Puis, une meute de loups fit le siège autour de lui. Alors qu'il venait de saisir son couteau pour se défendre, une grosse masse brune surgit de la neige, tuant 10 loups et en blessant 8 autres. La créature de plus de 2,50 m de haut se tourna vers Lance Noir, exhibant sa patte ensanglantée. Lance Noir leva une main. Tranquillement, la bête se releva et disparut. Le grand esprit lui dit « Tes deux fils sont les pères d'une nouvelle race, nuage brillant qui t'a nourri et le roi des airs, griffe de fer qui t'a sauvé des loups, le roi de la forêt. Rentre chez toi pour le dire aux tiens et les guider 20 ans de plus avant que tes fils reviennent pour aider ton peuple et choisir un nouveau chef. » Aujourd'hui, les Apaches évoquent ses ancêtres lors de l'intronisation d'un nouveau chef. Dans ces tribus, l'aigle et l'ours sont leurs ancêtres communs. Ici, vous avez un village Apache, tel qu'il se présentait à l'époque, certainement. Bon, évidemment, c'est une reconstitution que j'ai photographiée au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et puis ici en haut, vous avez donc ces dessins qui représentent un petit peu la légende que je viens de vous lire. Alors, chez les Indiens aussi, il y a des croyances sur les mœurs des ours. On dit qu'ils choisissent sa tanière avec soin, qu'il ne laisse aucun vestige de son passage, aucune branche cassée, il est toujours très discret. Depuis sa tanière, l'ours, on pense que l'ours entend tout, donc c'est pour ça que justement on essaie de ne pas le désigner. Le pet de l'ours,
un mythe peu présent chez les Amérindiens. Je l'ai cité parce que c'est quelque chose qui revient énormément dans, chez les Indo-Européens, où l'animal, dans la tanière, eh bien, avant de se réveiller, ou en cours de réveil, avant de sortir, il a un P qui relance son appareil digestif et qui est prêt à ce que l'animal, faire en sorte que l'animal se réalimente de nouveau. Alors, avec des herbes toutes neuves du printemps. Alors, le mythe de la mer ours, eh bien, il a vécu, bien sûr, et ça a commencé avec l'arrivée des chamans qui ont récupéré le pouvoir, qui était un peu dispersé dans chez tous les hommes, et ont récupéré ce pouvoir. Ils ont, c'est la perte également de la force de la féminité. Et puis ensuite sont arrivées donc les religions monothéistes et qui ont détrôné le chaman. Le bétail domestique a remplacé l'animal sauvage, l'ours. Et puis l'ours, eh bien, par la suite, est devenu vraiment un animal complètement obsolète et qu'il fallait détruire et qui ne servait plus à rien. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le cheminement du mythe de l'ours, c'est la fin du mythe de l'ours qui a été remplacé par le chaman, les religions monothéistes et puis les animaux domestiques. Alors ici, c'est la colonisation de l'Ouest américain par l'homme blanc. En général, bon, je me suis bien inspiré des explorateurs Lewis et Clark qui, en 1804, donc, sont partis, donc vous avez ici la carte de l'Amérique du Nord, qui sont partis de Saint-Louis du Missouri pour aller jusque sur la côte ouest du Pacifique, aller et retour. Et donc ils ont leur première rencontre avec cet animal mythique, le grizzly, l'ours brun, s'est effectuée le 7 octobre 1804 dans le Dakota du Sud. Voilà, vous voyez, donc je le cite, hein, nous rencontrons les premières grosses traces de cet ours blanc, trois fois la taille d'un pas humain. Et ils avaient remarqué qu'ils étaient beaucoup plus nombreux à proximité des grandes plaines. Et durant cette expédition qui dura 2 ans, ils en ont tué au moins 43. Évidemment, il les tuait parce qu'il les craignait beaucoup. Dès qu'un ours était repéré, un grizzly, il y avait une charge de l'animal. C'était quelque chose d'assez terrible, apparemment, parce que bon, je pense qu'il devait les déranger énormément. Et puis, bon, certains ours sont très irascibles. Mais néanmoins, tout au long de cette expédition, eh bien, l'ours grizzly est présent, et est présent également chez les Indiens qu'il rencontrait. Voilà. Ensuite, oui, je ne sais pas quel heure il est, mais je crois que. Alors, on en arrive à l'impact de l'homme blanc par la suite, suite à la colonisation. Donc, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, il y avait environ 100 000 ours grizzly sur l'Amérique du Nord. Et. Plutôt aux États-Unis, c'est-à-dire les 48 États du bas, environ 100 000 ours grizzly, et vers la fin du XXe siècle, il en restait plus que milliers à peu près. Quoi. Ça a été, vous voyez la courbe ici, qui représente la régression de la population d'ours, avec une présence de l'ours qui n'est plus que dans 4 ou 5 États maintenant, dans le Montana, l'Idaho, le Wyoming, et puis également dans l'État de Washington. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est de se rendre compte que dans le sud-ouest des États-Unis, donc vous voyez ici une carte sur la. Enfin, vous la voyez peut-être pas bien là, mais le sud-ouest des États-Unis était une zone où il y avait des grizzlies encore au début des ours bruns, donc grizzlies au début du XXe siècle, et il y avait également, au même endroit, et aussi rare que était l'ours brun, il y avait les derniers Indiens, les dernières tribus Apaches, en particulier les tribus qui étaient menées par Cochise et puis par Geronimo. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'ils se sont retrouvés, ours et Indiens, à vivre dans les mêmes montagnes, qui sont très isolées. Je vous montre une photo après, des étendues forestières immenses. Les deux étant bien sûr poursuivis par l'homme blanc, par l'armée américaine, ou alors éradiqués par les fermiers américains ou les éleveurs.
pour les grésiliers en particulier. Et ils ont disparu quasiment en même temps et dans les mêmes endroits. C'était donc les zones refuges pour l'homme blanc, pour l'Indien et pour le grizzly, dans le sud-ouest des États-Unis, se sont retrouvées exactement aux mêmes endroits. Alors ici, il y a une carte de la répartition, si on peut dire, de l'ours grizzly et des Indiens. Et c'est, vous voyez, donc vous avez ici le golfe du Mexique, et puis ici les Rocheuses. Et vous avez ici toutes ces traits ici, ce sont les limites des tribus indiennes. Et tous les points sont des endroits où il y avait les ours grizzly qui ont été tués ou qui ont été observés. Voilà, donc ici vous avez une diapositive, derniers Apaches, derniers grizzly. Vous avez ici une photo également de la topographie et du paysage de ces zones-là, qui étaient des zones extrêmement isolées. Il n'y avait pas des sommets très très hauts, mais c'était extrêmement grand, vaste et isolé. Et donc une petite photo de Géronimo et de ses proches là pour les saluer un petit peu. Et en dessous, un des derniers ours qui a été tué dans l'Arizona. À gauche là-bas et ici. Un autre. Ce sont des documents rares où on voit les derniers grizzlies et les derniers ours. Et les derniers hommes, pardon. Alors aujourd'hui, bien sûr, l'ours grizzly est toujours absent dans le sud-ouest des États-Unis. Les tribus indiennes ont vécu aussi. Quelle est la situation actuellement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, aux États-Unis et au Canada? Il y a des populations dans le nord-ouest des États-Unis qui sont en cours de restauration. Il y a des zones, des réserves indiennes dans le Montana et des zones à ours qui sont superposées. Et il y a évidemment, comme dans les Pyrénées, de nombreux dégâts aux troupeaux, avec énormément de conflits entre les ours et les Indiens. Et un autre point intéressant, c'est que, qui permettra peut-être la survie des ours, c'est que les ours grizzly, l'ours kermode, qui est l'ours blanc qui est ici, en fait, qui est un ours noir, mais de coloration blanche, et sont utilisés à des fins touristiques. Alors, vous voyez les Indiens Cherokee ici, avec vous avez la publicité sur l'Indien, sur l'ours, ils sont reliés entre eux quand même. Ici en bas à gauche, vous avez donc des opérations de capture d'ours grizzly pour les équiper, pour les étudier. Et les gars qui travaillent là, ce sont des Indiens, donc, sauf moi là qui suis au milieu, mais sinon, ce sont tous des Blackfoot qui voient la nécessité justement pour leur économie locale et tout, de préserver le grizzly à des fins touristiques pour pouvoir continuer à vivre et faire du tourisme vert dans leur zone. Voilà. Vous voyez, ici, c'est l'interview d'un Blackfoot, qui est un éleveur. Une interview qui a été faite par une amie qui est là-bas en décembre 2021. Voilà. Alors, ce qui peut lui a posé quelques questions. Et voilà ce que les Indiens actuels pense de la population et de la présence du grizzly. Les grizzlies rôdent de plus en plus souvent autour de la ferme. C'est une ferme qui est au nord de Browning, pour ceux qui connaissent, peut-être, et c'est dans une zone qui est extrêmement sauvage et qui est en bordure des Rocheuses. Ils sont un danger pour les humains. Celui qui vient trop près est abattu, mais la carcasse est récupérée par l'État. Ça, c'est ce que dit l'Indien. Hein, lui, il pense que le nombre a augmenté au cours des 25 dernières années, mais il craint beaucoup plus les loups que les ours. Il dit que les ours ont peur des loups. Et il est très mécontent, en fait, de la réintroduction des loups dans le parc national de Yellowstone. Malgré tout, les grizzlies, eh bien, qui descendent de plus en plus des montagnes vers des zones qui sont utilisées par le bétail, par son bétail, font des dégâts. En particulier, en 2021, 4 moutons ont été tués, ce qui n'est pas énorme quand même, mais bon, c'est quand même une perte. Et en une nuit, il y a quelques années, un ours grizzly est descendu de la montagne et a tué 9 moutons. Donc il subit cette présence. Et il relate également une rencontre récente face à un ours. J'étais tombé sur une tanière abandonnée, mais l'ours était dedans. J'ai tiré en l'air, il était à la chasse, et je me suis enfui.
Voilà, donc la relation des Indiens actuellement qui sont dans les réserves aux États-Unis, en particulier celui-là qui est un éleveur. Alors, l'épilogue de cette présentation, si on peut dire, si on regarde bien le passé de l'homme et de l'ours et de l'Indien d'Amérique du Nord avec le grizzly, on s'aperçoit qu'au départ, l'homme, l'Indien, était un acteur, si on peut dire, receveur, quoi, avec le mythe de l'ours aidant. Et les rites et les cérémonies, on prenait la nature, on prenait pour ce que les rites représentaient le renouvellement, la réincarnation, la quête de nourriture, le passage initiatique, l'immortalité et l'héraldique de la tribu. Et tout ça, c'était on était receveur, on recevait ce que les produits de la nature, on recevait et on regardait la nature telle qu'elle était. Puis, peu à peu, l'ours, comme je vous disais tout à l'heure, est devenu décalé. Et on peut relier ça, si on peut dire, quelque part, bien sûr, à la société moderne, avec l'utilisation du cheval, du bateau, les conflits entre villages, les territorialités, les conflits d'intérêts, le commerce, la tromperie et l'émergence de l'individualisme. Et tout ça, eh bien, ça a conduit doucement à écarter cette faune sauvage, et dont l'ours était un petit peu le fleuron, quoi. Et donc, depuis quelques siècles, c'est l'avènement de l'homme acteur, preneur, celui qui prend la nature, qui l'accapare. Et à ce moment-là, ce sont les hommes, les monstres et les autres dieux anthropomorphes qui remplacèrent l'ours. L'ours fut alors mis en cage et sa mort dépendait de l'homme. Il fut alors remplacé par des animaux domestiques, eux aussi sacrifiés au cours des fêtes. Le sacrifice se supplanta à la chasse pour gagner les faveurs d'un dieu. Les chamans, puis les prêtres, concentrèrent leur pouvoir, auparavant réparti entre tous. Lors des cérémonies, le sacré se tourna vers les animaux domestiques, de plus en plus. Et les relations actuelles que l'on a avec la faune sauvage, avec l'ours en particulier, sont maintenant d'origine, si on peut dire, méditerranéenne. Les cultures païennes, les civilisations nordiques, vikings ou autres, barbares, qui chérissaient la vie, en fait, aussi, elles furent écartées car elles n'écrivaient pas, elles ne communiquaient pas du tout comme la culture méditerranéenne. Elles se limitaient surtout à danser, à dessiner, à taper sur des tambours et avoir une tradition orale. Et rien de ce qui se faisait en Méditerranée, donc elles ont été un peu écartées, toutes ces cultures païennes qui avaient des rapports avec la faune assez différentes de celles que l'on a aujourd'hui. Et pour terminer, en 1972, lors d'une conférence internationale bien connue, c'était à Rio, je crois, la délégation chinoise disait « L'homme est la chose la plus précieuse ». Ce à quoi répondit Gary Snyder, qui était un écologiste, philosophe américain, ouvrez les guillemets, « L'homme sera la plus précieuse chose lorsqu'il réalisera la préciosité de chaque chose ». Voilà, dernière image. C'est un lâcher d'ours dans les Pyrénées en 2018. Depuis un hélicoptère, la cage a été posée au sol. C'est dans les Pyrénées, bien sûr. Voilà la cage qui est au fond. C'est la gendarmerie nationale qui nous avait qui avait assuré la logistique. L'animal vient de Slovénie. 24 heures avant, il était encore libre dans une forêt slovène. Et là, il a transité dans un camion, dans une cage. Il était endormi uniquement pour le placer dans la cage. Mais ensuite, il a fait le voyage bien conscient. Et là, il est totalement conscient de ce qui se passe. J'imagine qu'il doit être pas mal stressé avec le bruit de l'hélicoptère et le vent. Mais bon, c'est une opération qui est assez stressante, assez intéressante. Et sûrement que l'ours a vraiment pas mal souffert. Mais cet ours qui a été réintroduite, eh bien, actuellement, elle a des oursons. Voilà, la liberté retrouvée.
cette femelle qui équipée d'un collier. Je sais pas, vous la voyez, j'espère. Bon. La voilà qui prend un sentier, si on peut dire, un petit sentier à peine marqué. En vallée d'Ossau, pour ceux qui connaissent, sur la commune de La Reims. Voilà. Et puis, au-dessus, elle a pris un chemin qu'elle a suivi et elle a rencontré deux randonneurs qui ont été très surpris, je dois vous dire. Parce que personne ne savait qu'on avait lâché des ours. Voilà. Ah oui, oula, il y a eu plusieurs. Oui. Oui. Oui, il y a eu plusieurs ours qui ont été abattus. Il y a une ours qui avait deux oursons qui a été abattu en Ariège. Il y en a eu une autre qui a été abattue l'an passé en Espagne. Toujours dans les mêmes conditions, quoi. C'est-à-dire lorsqu'il y a une battue au sanglier, les chasseurs se postent et puis bon, ils ne savent pas que l'ours est dans le coin. S'il y est, l'ours évidemment soit. Elle était dans une zone protégée, oui. Après, il y avait un arrangement, mais bon, maintenant, c'est en instruction encore, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. On ne connaît pas très bien le détail, si on peut dire. Si, il y en a qui le connaissent, mais ils ne peuvent pas le communiquer. En tout cas, ça ne m'étonne pas, quoi. Tous les ans, il y a des ours qui se sont fait tuer, des ours suités, parce que ce sont les seuls animaux qui sont vraiment dangereux. Une ours avec des petits, elle tend à les défendre, quoi, dès qu'elle est surprise. Et alors qu'un ours solitaire, non. C'est pas, ils sont beaucoup plus tranquilles, ça n'a rien à voir. Il y a eu également un ours qui a été tué, mais de façon tout à fait délibérée et volontaire, il y a 2 ans. Enfin, il y a plusieurs cas, oui. Voilà. Donc maintenant, il y a environ 60 et 70 ours dans les Pyrénées. Donc, les chiffres de l'année 2021 ne sont pas officiels encore, donc on est autour de 60 à 70 ours, 6 portées, 6 petites familles, quoi, de femelles avec des oursons repérés, oursons de l'année. Voilà, une répartition qui sur les Pyrénées augmente de plus en plus quand même, et avec elle bien sûr les problèmes aussi, quoi. Voilà. Au tout, un ours traverse en France et en Espagne. Il traverse. Alors, juste pour les questions, on va profiter qu'on a le micro, peut-être, pour vous faire parler dans le micro. Alors, allez-y. Monsieur, pourriez-vous nous dire comment l'ours est passé au nounours ? Ah, alors, je pense que ce n'est pas passé du jour au lendemain. Déjà, au Moyen-Âge, beaucoup de châteaux avaient des oursons. Ils les gardaient, les élevaient. Dans de nombreuses peuplades, que ce soit les Aïnous par exemple, ou même en Sibérie, on élevait des oursons, enfin on les capturait en nature et on les élevait, on les gardait jusqu'à l'âge adulte pour l'adolescence plutôt de l'ours, pour ensuite le sacrifier. Donc c'est un animal qui a toujours accompagné, l'ourson a toujours accompagné l'homme dans les milieux familiaux et tout ça. Ensuite, il y a également la fameuse rencontre du président Roosevelt aussi, qui a la chasse à l'ours. Ce qu'on dit, hein, c'est l'histoire, c'est la légende, qui était posté à l'affût, en attente d'un ours, quoi, d'un grand chasseur, pour abattre l'ours. Et il voit arriver un ourson, donc évidemment, il n'a pas tiré, et puis il a raconté l'histoire. Enfin, le journaliste qui était là a raconté l'histoire, et ce qui a fait après, on a bâti toute une histoire autour du nounours en peluche, du petit nounours que l'on préserve et tout. Bon, c'est vrai que c'est d'emblée, l'ourson est un animal qu'on a envie de prendre dans les bras, qui est tout petit, qui est rond, c'est une peluche, c'est rond. Ça a tous les éléments pour qu'on s'y intéresse, pour susciter de la tendresse vis-à-vis de la part de l'homme. Voilà. Donc c'est quelque chose qui vient de très très loin. Hein. Et puis c'est pas près de nous quitter, je crois.
Vraiment, voilà, c'est même des adultes qui sont oursophiles, qui ont des collections d'oursons, de nounours, à n'en plus finir. Et c'est, voilà, c'est quelque chose qui est ancien. Pardon? Oui, Berlin, Berne aussi. Oui, et Berne aussi, en Suisse. Oui, Berne aussi. Après, il y a des villages sur le versant espagnol des Pyrénées avec un ours, toute une héraldique autour de l'ours. Oui, c'est. Combien? 300 grammes, 300-400 grammes, c'est même pas le poing comme ça. Hein, c'est. Et 300 grammes, 10 mois après, il fait 30 kilos. C'est-à-dire 100 fois plus. C'est ça, oui. Ça grandit très vite. Le lait maternel de l'ours est un des plus riches hein, qui existe, qui soit dans le monde animal. Le plus riche, c'est celui de l'ours polaire. Voilà, parce qu'effectivement, hein, il fait très froid. Et puis, la période à laquelle les oursons naissent, c'est en plein hiver. Donc, il faut que les oursons aient de la matière pour pouvoir grandir très vite. Mais c'est vraiment 300 grammes, quoi, c'est minuscule. Ils naissent. Également imberbes, aveugles. Ils sont contre la mer là et ils s'allaitent en permanence et puis ils se noient dans la fourrure de la mer. La mer dort, elle, c'est un hiver. Et puis les oursons, eh bien, ils s'alimentent ils têtent. Voilà. Alors, à Pau, c'est fête de l'ours. Oui, il y a une fête un peu de l'ours aussi, mais c'est quand même assez. C'est une reprise de. Sinon, il n'y en a pas. Non, pas trop. L'ours n'est pas trop fêté quand même, hein, en Béarn. Pays basque espagnol, il y a un village. Alors, concernant les fêtes de l'ours, il faut aller dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est dans la ville de Prats de Molló, Saint-Laurent-en-Cerdan. C'est au-dessus de Céret. C'est le Vallespir, à la limite avec la frontière espagnole hein, et la Catalogne espagnole. Et là, vous avez de magnifiques fêtes de l'ours. Hein. Je crois que. Non, elle est passée, là. C'était il y a une quinzaine de jours, je crois. Mais c'est extraordinaire hein, de voir ça. C'est ancien, quoi. C'est pas une reprise, moins celle de Prats de Molló, c'est pas une reprise à des fins touristiques. C'est vraiment. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas parce que maintenant, effectivement, il y a des milliers de spectateurs qui viennent parce que ça se sait. Et donc, ça a un caractère, une renommée autant d'authenticité qu'elle n'a peut-être plus ou moins qu'avant. Alors, vous avez ce qui est assez pénible, c'est qu'il y a des télévisions du monde entier qui viennent et qui filment les gars qui sont déguisés en ours. Enfin, déguisés en ours. Hein. Ils ont une toque, ils ont une peau de mouton, et puis ça ressemble pas trop à un ours. Hein. Mais enfin, c'est assez violent hein, comme fait. En Roumanie, Carpates. Dans les Carpates roumaines, hein, dans les Carpates. Hein. Oui, dans les Carpates, beaucoup, ça existe encore dans les Carpates. Ouais. Je crois que ça existe au Pays basque espagnol, mais on n'en entend pas parler. Ce sont des choses qui sont peut-être encore un peu confidentielles, et puis pas spécialement spectaculaires. Hein. Une fête de l'ours, l'homme qui est grimé en ours, il ressemble pas nécessairement à un ours, des fois. Ça paraît assez curieux, donc c'est pas spécialement spectaculaire. Mais à Prats de Molló, c'est vraiment. J'ai eu la chance de le faire avec des enseignants, des universitaires qui sont des mythologues, qui travaillent sur la mythologie, travaillent sur la mythologie de l'ours en particulier. Et j'ai suivi avec eux toute la fête qui dure une journée complète. Donc dans la montagne, c'est pas quelque chose qui se passe là comme ça dans un quartier. Non, non, ça va très loin. Il y a une forteresse Vauban, dont ils descendent de la forteresse. Enfin. Et ces gars-là qui étaient avec moi, ils me commentaient ce qui se passait. Ils me disaient, voilà, tu vois ça, le gars, il est dans tel état d'esprit apparemment maintenant. C'est vrai que
les trois jeunes qui étaient des rugbymen, des gars costauds, ils se chauffent, on les laisse pendant, c'est assez curieux, dans une cour de la forteresse Vauban, qui est en pleine montagne, on les ferme, et là, ils se chauffent, ils font des joutes, et comme des bêtes. Et après, ils deviennent comme des ours, des animaux. Et on les lâche. Alors, je dis pas le... c'est quand même pas mal, hein. C'est intéressant. De voir ça. Donc c'est la fête de l'ours de Prat de Moyaux. Après il y en a une à Saint-Laurent-de-Cerdan qui est pas très loin, à 10 km de là. Mais là ils ont c'est un gars qui est déguisé en ours avec une peau d'ours, mais d'ours américain, noir américain, ours noir. Enfin c'est un peu c'est teinté le tourisme quoi, un peu. Alors il y a une fête de l'ours à Paris qui a été recréée depuis quelque temps là. Alors oui, c'est un peu dans les quartiers un peu intellectuels, tout ça, un peu en vogue. Il y a une fête de l'ours qui est organisée, je crois, par le musée de la nature et de la chasse. Je crois bien. Je ne sais pas si elle a lieu cette année. Mais je sais qu'avant le Covid, là, il y avait des fêtes de l'ours. Je le voyais, c'était où on m'avait invité pour aller faire un tour et tout ça. Bon, ça ne me disait trop rien. Je préférais aller à Prat de Moyaux. Alors, moi, M. Camara, j'ai une question, parce que vous avez consacré votre vie hein, à la protection des ours, hein, dans le cadre donc, du réseau Ours Brun. La réintroduction de l'ours, c'est un petit peu aussi votre œuvre. Le bilan, finalement, de cette expérience, en fait, justement, ces 70 ours qui... Eh bien, avant la réintroduction, il y en avait 5, en 1995. On a relâché dans les Pyrénées 11 ours, et il y en a maintenant 60-70, donc... Déjà, c'est assez positif, sauf que les ours ont été réintroduits essentiellement dans des endroits où les bétails, c'est-à-dire le domestique, les brebis, ne sont pas gardés. Et c'était le seul endroit où on pouvait les lâcher. C'était là, il n'y avait pas trop de soucis, c'était l'endroit où c'était faisable, quoi. Et bon, évidemment, ce qui devait arriver arriva, il y a eu des dégâts, et puis ça, la population est montée au créneau quoi, de suite. Hein. Et les bergers, bon, maintenant, il y a des conflits énormes en Ariège. C'est extraordinaire, il faut voir. Là où il aurait fallu réintroduire les ours, on le dit après, mais bon, maintenant c'est fait, mais c'est bon, heureusement qu'ils ont été réintroduits, je trouve que c'est très bien. Mais on aurait introduit des ours dans le Haut-Béarn, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Je crois que là, les troupeaux de moutons étant gardés, donc ça aurait été beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, c'est l'endroit où ils sont restés les derniers ours. Parce que c'est l'endroit où la cohabitation avec ce prédateur était la plus facile, puisqu'on gardait les troupeaux de façon complètement coutumière, habituelle. Et pourquoi est-ce qu'on garde les troupeaux là ? Parce que ce sont des brebis laitières. Donc il faut les regrouper tous les soirs pour les traire. On les regroupe, et puis après, il y a les chiens patous, là, les grands chiens blancs qui sont autour, qui gardent. Alors que ailleurs, dans les Pyrénées, en dehors du Béarn, hein, là, ce sont des brebis viandes, donc il n'y a aucune raison de les regrouper le soir. On les lâche au printemps, on vient les chercher en automne, et on compte celles qui manquent. Et pendant ce temps, l'ours il a fait son œuvre. Quoi. Un ours qui a la capacité ou la possibilité de tuer les brebis, des brebis qui lui sont offertes en fait, gratuitement, comme ça, il n'y a pas de chien, il n'y a rien. Donc, évidemment, ça devient un animal extrêmement carnivore et prédateur. Et ça devient des animaux difficiles à gérer quoi, après. Non, parce que je pense que c'était le seul endroit où on pouvait remettre des ours. Premièrement, bon, donc ça a été plutôt axé dans ces coins-là, parce que les gens n'étaient pas au courant, ils n'avaient pas d'ours, et ils ne savaient pas trop à quoi ça exposait que d'avoir des ours. Donc il n'y a pas eu de réaction, premièrement. Deuxièmement, le ministère de l'Environnement de l'époque était un peu, comment dire, a travaillé de concert avec des associations de protection de la nature, lesquelles voulaient absolument, absolument remettre de l'ours, quoi. À tout prix. Donc, le ministère s'est un peu laissé faire, et puis bon, et puis voilà, donc ils ont réintroduit les ours dans ces zones-là. Voilà, donc ça a été. Bon, moi je trouve que ça a été. C'est une bonne chose, je trouve. Parce que on a essayé de remettre des ours en Béarn, là où il y en avait déjà. On a discuté pendant 20 ans avec les élus, les éleveurs, sans pouvoir relâcher le moindre ours.
En tout cas, on nous disait, mais non, il faut qu'on discute encore. Voilà, vous comprenez, nous, on veut bien des ours, mais zéro dégâts. Bon, ça, c'est impossible. Hein, c'est toujours un ours, c'est un ours, un jour ou l'autre. Donc, je pense que ça s'est fait comme ça, heureusement et malheureusement. Mais bon. Et il a fallu attendre 2018 pour que deux ours soient lâchés dans le Haut-Béarn, dans les endroits où il y avait les derniers ours avant. Donc les ours, les deux, et le lâcher que vous avez vu là, donc c'est, ça a été donc fait, réalisé dans les Pyrénées-Atlantiques. Comment ? Oui, ça se passe bien. Oui, oui. Alors on a une ours qui cause quelques dégâts, qui tue quelques brebis, bon. Mais elle est sur le versant espagnol, elle est partie en Espagne, donc ça va. Et l'autre, elle est restée en France, et depuis qu'elle est là, depuis 2018, elle a eu deux oursons, donc ils sont morts, en arrivant quasiment. Et après, maintenant, cette année, elle en a trois. Elle n'a jamais fait un dégât. Jamais elle a tué une bête. Donc elle arrive à vivre, à élever ses jeunes et tout, sur de la protéine qu'elle trouve dans la forêt. Alors ça peut être des insectes, ça peut être des fourmis, des vers xylophages du bois, ça peut être brouté de l'herbe, ça peut être... C'est étonnant, hein ? On a de la chance, hein ? Vraiment. Elle a vraiment... Oh, et en plus, on en est certain parce qu'elle avait un collier GPS autour du cou qui nous donnait tous ses déplacements. Et bien évidemment, dès qu'elle était dans des endroits où il y avait beaucoup de troupeaux de moutons, on était assez inquiets. Et on n'a jamais eu un appel d'un berger disant qu'il y avait un dégât. Enfin, jamais. Ah, mais oui, mais on le voit un peu dans le avec les relations entre les Indiens et les ours, quoi. C'est que c'est quand même une espèce qui est reliée à l'homme, qu'on le veuille ou non, quoi. Qui a été un petit peu écartée de la culture par le pastoralisme, qui ne voulait pas de prédateurs. Mais maintenant, qu'il y a beaucoup moins de pastoralisme dans les montagnes, donc, et puis il y a également un sentiment écologique qui vient très très fort, ça redevient un animal, le grand prédateur, et l'ours en particulier, un animal sacré. Il représente la nature sauvage, il représente la liberté, le caractère naturel des montagnes, ça peut également, c'est un enjeu autour de l'économie verte, l'économie locale, d'avoir des ours, en particulier en Amérique du Nord ou en Espagne, ça attire pas mal de touristes. Alors, pas encore dans les Pyrénées, mais c'est également l'identité locale. Ça permet la présence de l'ours de protéger des régions, des certaines vallées. On sait qu'il y a de l'ours, on sait qu'il y a des femelles avec des petits, on sait qu'il y a de l'hibernation de l'ours, il y a de la vie dans ces forêts-là. Eh bien, on ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas construire des routes, des stations de ski. Bon, il y a toujours, on fait des études d'impact. Et c'est un peu une espèce parapluie, l'ours, qui protège. C'est une espèce dont on a besoin aujourd'hui, je pense, lorsque on se rend compte de tout ce qu'on perd, de la nature qui se dégrade. Et c'est un animal symbole, quoi, c'est de le protéger. Alors, ça ne résout pas les problèmes, mais quelque part dans notre tête, ça, bon, on se rend compte, ça nous donne un peu bonne conscience, quelque part, de se dire, ben, on a sauvé les ours, donc on n'est pas si mauvais que ça, quoi. Enfin, voilà, je parle pas de moi, mais de la société en général, et de la façon de voir la nature et de l'appréhender. Je pense que c'est la conservation de l'ours, pour les montagnes, ça permet de réorganiser un peu mieux l'économie locale aussi, et en particulier le pastoralisme. Alors, ce qui est quand même assez bien, c'est que l'ours est protégé, mais il y a quand même des aides. On ne demande pas aux gens, comme ça, on a lâché des ours dans la nature, et puis débrouillez-vous, il faut les protéger. Non, il y a quand même des budgets européens qui sont dédiés, des budgets du ministère de l'Environnement, il y a des associations de protection de la nature qui travaillent en faveur de l'ours. Enfin, c'est quand même un générateur de financement important et de restructuration également, de remise à plat un peu de la montagne.
de cette montagne-là, au moins de celle dont on parle, dans les Pyrénées, des endroits sauvages. Quand on parle de montreur d'ours, est-ce que l'ours se laisse domestiquer ? Oui, bien sûr. Enfin, domestiquer, alors, c'est peut-être pas le mot, hein, parce que il arrive à cohabiter et vivre en bonne intelligence avec l'homme. Bon, alors, il sait, à condition qu'on reste le maître de la bête, quand même. Il faut surtout pas le brusquer, mais il faut savoir faire les choses, faire de l'éducation. C'est un peu comme un enfant, il ne faut pas braquer non plus, sinon on se le met à dos. Et l'ours, si on se met un ours à dos, c'est pas bon. Hein, c'est très dangereux, même. Donc, voilà, il faut... Moi, bon, je connais des gens qui vivent avec des ours bruns, mais tout ça en tout respect quoi, de l'animal. Il n'y a jamais un coup qui est donné à l'animal. Mais il faut toujours rester et lui imposer sa présence et lui montrer que bon, le maître, c'est l'homme. Et on arrive à... Bon, il y en a beaucoup qui ont vécu avec des ours et qui ne sont plus là hein, aussi. Hein. C'est quand même un animal qui peut, à certains moments, s'avérer dangereux, surtout lorsqu'il vieillit, quoi. Moi, j'étais chez des gens en Autriche qui ont un ours chez eux, et on a mangé ensemble avec l'ours. Quoi. Alors, le gars, il a une maison où il vit. Bon, le gars, c'est un milliardaire, mais je ne l'ai pas vu, lui. J'ai vu que les gens qui s'occupaient de l'ours. Donc, ils étaient dans la maison où vivent les hommes, et il y a la maison à côté, belle maison, où vit l'ours. Évidemment, les fenêtres, il y a des gros barreaux, voilà, tout ce qu'il faut. Et entre les deux, il y a une passerelle. Fermée, enfin, pour pas que l'ours se parte non plus. Et donc, il y a un va-et-vient de l'ours en permanence entre la maison et des hommes et la maison de l'ours. Et, voilà. Et on est allé manger dans la maison de l'ours. Alors, à table, avec l'ours, et c'était assez rigolo, parce qu'il n'est pas très délicat, quoi, quand même. C'est assez, pour le moins. Mais il était assis, quasiment, hein, comme un mou. Alors, je sais que je l'avais à côté, je n'osais même pas le regarder dans les yeux. Je me rappelle toujours, il y avait un gros bocal de cornichons, en verre, transparent, il y avait les cornichons dedans. Et alors, quand il a vu ça, l'ours est devenu fou, quoi. Il a pris le bocal, il a tout foutu par terre, il a commencé à tout manger, ça a été un souk d'enfer, quoi. C'était incroyable, on a rigolé. Mais on n'a pas senti, moi j'étais un peu gêné, parce que je n'osais pas trop le regarder, quand même c'est un ours, il devait faire au moins 200 kilos. Mais bon, chacun était à sa place, et puis voilà, quoi. C'était pas, donc c'est en cela que je peux dire, oui, ça peut se domestiquer, mais bon. Je ne me rappelle plus, peut-être, oui, je ne sais plus. Aussi, de verre, oui, bien sûr. Oui. Mais je ne me rappelle plus trop comment c'était fait, ça. Je sais plus. On n'est pas resté longtemps, hein, là. C'était assez rigolo, oui. Mais l'ours s'habitue très facilement à l'homme. Hein. Et malheureusement, des fois, parce que un ours qui a compris qu'au contact de l'homme, il peut avoir de la nourriture très bonne, de la nourriture riche, il va revenir, parce que c'est facile, là. Mais le jour où il n'en a pas, c'est là qu'il se fâche. C'est là où ça peut poser des problèmes. Donc il faut maintenir des barrières quand même un peu avec l'ours. Au moins l'ours sauvage. On le voit d'ailleurs dans des cirques, l'ours il peut être très, très facile, très docile. Tout à fait, il était enchaîné et puis il y avait un anneau dans le nez, et bien sûr, oui. Oui, l'anneau dans le nez, ils avaient un anneau, et puis ils le tenaient comme ça. Oui. Ah oui, ça, c'était... Oui. Non. Allez, ah oui, ça a été. Ah, mais autorisé. Oui, bien sûr. Je croyais autorisé à le promener comme ça dans la rue, comme faisaient les montreurs d'ours. Hein. Non. Mais sinon, oui, dans des fêtes, dans des foires, oui. Moi, je suis intervenu déjà avec des montreurs d'ours. Et puis, j'avais l'ours à côté. Donc, vous voyez, je montrais la patte de l'ours aux gens. Ils disaient, voyez comment sont les pattes. Et l'animal était là, était tranquille. Hein, c'est pas du tout. C'était des ours qui avaient tourné dans le film de Jean-Jacques Hano, l'ours. Donc ils étaient habitués. Mais alors bon, ça c'est permis sous des conditions. Il faut avoir un certificat particulier, hein,
capacitaire et tout, pour pouvoir balader un ours dans la rue, c'est pas facile. Hein. Mais maintenant, il n'y a plus de, parce qu'il n'y a plus du tout les méthodes coercitives qu'on utilisait à l'époque avec l'anneau dans le nez et tout ça. Quoi, hein. C'est beaucoup plus. Ah bon? Ah ouais? C'était où ça? C'est récent? Non, mais il y a longtemps. Mmh. Oui, oui, je sais pas. J'ai rarement vu, moi. Ça. Oui, oui, c'est... oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, ça, je ne l'ai pas vu, mais bon, il y a longtemps de ça, alors. Non, non, mais je veux dire, il y a longtemps, parce que... Oui, 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 parce que... Moi, je n'ai vu que les ours dans les foires, comme ça, où les ours sont maintenus, il n'y a pas d'anneau ni rien, en fait, c'était... Oui, oui. Oui, alors l'ours était les montreurs d'ours autrefois, il était, c'était l'ours guérisseur. On faisait marcher l'ours sur le dos quand vous aviez mal au dos, vous couchiez, puis l'ours il marchait sur votre dos. Et apparemment, ça guérissait le mal au dos. Alors je ne sais pas, c'est peut-être la peur qui vous faisait passer le mal au dos. Alors monsieur Camara, il est temps de vous remercier de votre venue. Oui. De venue parce que vous venez de loin, vous venez de votre montagne, c'est ça? Oui, oui. Vous avez traversé bon, une bonne partie du territoire français pour rejoindre le bout du monde, c'est Marseille, non, c'est ça? Non, je sais pas. Le bout du monde, non, c'est quand même... non, mais là, bon, je fais des conférences, je fais sur l'ours, vous voyez, la biologie est là. Bon, je me suis lancé dans cette relation ours et indien. Bon, c'est un peu... C'est quelque chose que je maîtrise. Moi, mais fait, bon, donc pardonnez-moi, j'ai le diaporama au début, il a marché, je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc les diapositives passaient toutes seules et puis après ça s'est arrêté. Et puis voilà, donc j'ai... Merci en tout cas. Merci au public. Alors juste avant qu'on se sépare, comme on est dans la thématique de l'ours, le samedi 2 avril à 16h, on organise une projection d'un documentaire qui s'appelle Grizzly Man en fait. Grizzly Man de Werner Herzog, qui est un film sur, on peut le dire, des personnes qui s'approchent de l'ours, du grizzly, et qui s'en approchent même trop, en fait. Oui, c'est un ancien junkie oui. Américain, un jeune qui est un peu marqué par la consommation excessive de drogue, assurément, et qui a décidé de se remettre au vert. Oui, c'est ça. En Alaska. Et puis, en Alaska, donc, il a mythifié l'ours et il a cru qu'il était un des leurs, quoi. Donc il est venu au milieu des ours. Alors, il y a des images extraordinaires. Hein. C'est le gars, il touche les ours. Moi, jamais j'aurais osé toucher un ours en Alaska, un grizzly, quoi. Alors lui, il y allait carrément, il touchait l'ours, il le poussait comme ça. Enfin, c'est dans le film, on voit bien les images. Parce que c'est lui qui s'est mis en scène et c'est lui qui, au cours des nombreuses années où il est resté en Alaska, il a séjourné là-bas. Il a posé un trépied avec une caméra et il se filmait, quoi. Et il se filmait, dès qu'il voyait un ours, il mettait la caméra et il allait vers l'ours. Et donc toutes ces images-là, c'est uniquement du vécu, quoi, qu'il s'est auto-filmé. Et ce sont des archives précieuses qui ont été, donc, c'est ça, traitées oui, par... Oui, c'est ça, par Werner Herzog. Ah, hélas, ça finit pas très bien, justement. Donc, je vous invite à venir donc, le samedi 2 avril. On fera la projection. Le film dure à peu près 50 minutes. Si vous voulez approfondir, je pense que c'est quand même plutôt public adulte. Mais je pense que ça mérite d'être vu. Ah oui, c'est très intéressant. Moi, je trouvais que c'était quelque chose de très nouveau, tout à fait nouveau dans les films animaliers. Oui, c'est plutôt la relation homme-animal, là. C'est pas le pur animalier, mais c'est vraiment extrêmement... c'est bien. Oh, c'est un film récent, Grizzly 2003. Man. Non. Ouais. Ah non, il est mort en 2003. Ouais, le film date de 2007. Ouais, 2008, c'est un film assez récent qui a eu des prix. Ouais, donc, je vous invite à nous rejoindre. Et encore merci, Monsieur Camara, pour votre venue.